Coucou les amis, c'est toujours samedi, c'est le matin. Bon là il est bientôt 9h. Je viens de voir la petite vidéo de mon cher Lolo qui démarre sa dernière petite marche là. Il va arriver chez Christophe et chez Antoine plutôt et Christophe là-bas, tout ça. Bon, je sais pas si vous avez vu le petit live d'hier soir d'Antoine, très intéressant. Allez le voir, hein, il y a vraiment de la super info. Et puis vous verrez le petit Lolo et puis Tatoff là. Et voilà, ben moi aujourd'hui, ben, ça continue les conserves. Vite fait, donc là, ces petites courgettes ratatouilles, on va dire, qui vont aller dans les bocaux. Voilà, ça va être tout de suite. On va faire ça tout de suite. Et sinon, ben, voilà ce qui est prévu aujourd'hui. Alors, ben, les dernières tomates du jardin, je pense que ça va être les dernières. Donc on va faire ça, tomates farcies, je vais faire, voilà. J'ai de la chair à saucisse, du steak haché, de la bonne viande. Alors tomates, courgettes farcies, on va faire. On va faire des grosses, grosses patates farcies aussi. Et des champignons, des petits champignons, voilà, que je prépare, que j'épluche. C'est très facile à éplucher. Alors ça, c'est pour, comment elle s'appelle? La copine qui veut savoir comment on fait les champignons farcis, elle va se reconnaître. Voilà, donc en fait, bon, d'une main, c'est pas facile. On prend la petite peau, là, comme ça, et on tire. Vous voyez? Et ça les épluche. Donc on fait le tour, on fait le tour, on fait le tour. Voilà, ça les épluche bien. Après, un petit coup de cuillère à café pour légèrement creuser l'intérieur, là, pour pouvoir avoir un peu plus de viande dedans. Bon. La viande, ça va être oignon, de l'ail, j'ai du thym, du persil ou de la ciboulette, je sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Voilà. Bon, ça, c'est les poireaux que j'ai arrachés aussi, j'ai fait de la place au jardin. Bon, ils sont pas mal du tout, hein. Même qu'ils sont énormes. Oh, il y en a, ils font 500 grammes le poireau. Deux poireaux, ça fait 1 kg. Voilà, ça va être la petite matinée cuisine, quoi. Tranquillou. Et puis on va attendre 10h, 10h15, on va surveiller, hein, Lolo? On va surveiller ça. Bon, des bisous les amis, portez-vous bien. Pensez à faire des conserves si vous pouvez. Partagez, donnez aux voisins, etc., etc. Bon, je vais pas vous dire ce que vous avez à faire. Soyez heureux. Je vous dis, allez voir ce petit Antoine. Bon, il y a Nana aussi, il y a de la super info, etc. Voilà. Bon, à bientôt. Bisous, bonne journée.